I am PolyGroid and vous learning at ImPolyGroid Channel. Enjoy and have a great time. Arrêt. Quoi qu'on fasse. Tant qu'il existe, il nous arrêtera. Précédemment. Aujourd'hui, je travaille à ECORP. Je reconstruis la base de données. Tout en défendant le fort. Avec ce patch. Seul le bon code pourra fonctionner. Ils ne pourront donc pas. Faire exploser le bâtiment. Le vote de l'annexion du Congo est assuré. Mais cette guerre monétaire doit cesser. L'étape 2 doit avoir lieu. Le jour du vote de l'ONU. Les manifestants encerclent le bâtiment. Il faut faire venir autant de policiers que possible. En parler à Elliot violerait l'accord. Vous offrant l'immunité. J'ai une piste mais je dois le faire seul. J'ai peut-être l'immunité. Mais je vais perdre mon frère. L'étape 2 n'a jamais été annulée. Comment les trouver et en finir Je suis notre meilleure piste. Irving. Il dit que tout sera prêt lundi. Une évacuation d'urgence est prévue Oui. Je ferai en sorte qu'Eliot soit viré. Il faut licencier Elliot Alderson. D'accord. Ça va Qu'est-ce qui se passe Angela Qu'est-ce qu'il fait là? Ça va aller. Elliot a tout vu. J'ai dû l'endormir. Tu restes là. On ne peut pas prendre de risques. Il va se réveiller. Il nous a vu que quelques secondes. Il ne s'en souviendra pas. La transition pour remplacer le président. Mais le pape pense qu'il serait une erreur d'abandonner le gouvernement le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui. Pour le très discuté vote, la République populaire de Chine propose d'annexer la République démocratique du Congo. Le monde entier attend le résultat du vote. Alors que les questions s'accumulent, comment évolueront les relations entre les grandes puissances mondiales et les pays défavorisés si la proposition est validée Elliot C'est ton téléphone Ah bon Ça va Très bien. Enfin J'ai passé le week-end à t'appeler. Tu es au boulot Ne va nulle part. Il faut qu'on parle en personne. On se voit en bas dans dix minutes. D'accord C'est important. Tout va bien Tout va bien. On devrait déjeuner ensemble. Quelque chose cloche. Comme si quelque chose m'échappait. Mais quoi Je n'arrive pas à savoir quoi. Qu'est-ce que je fais là Je vais travailler. Je me dirige vers mon bureau. Je suis en pilote automatique. J'exécute ma routine. Mon programme quotidien a planté Quand un code tourne, il ne doit pas être interrompu. Tant que toutes les tâches n'ont pas été accomplis sauf s'il se passe quelque chose sauf si s'il y a une erreur d'exécution une mémoire corrompue peut en être à l'origine c'est ce qui m'arrive c'est une erreur d'exécution ça va j'ai failli ne pas réussir à rentrer à cause des manifestants les natifs commencent à s'agiter c'est du délire ah bon je me suis fait une bombe ce week-end. Je me suis surpassé du samedi soir. Jusqu'au dimanche matin. Je me suis même impressionné. Tous les matins, c'est pareil. Des histoires de cul sans filtre. Heureusement. J'arrive à faire abstraction. Quand les gens parlent comme ça, ils n'ont aucune confiance en eux. Ou ils ont honte. C'est lequel des deux Je. Pardon. Merde, je te parlais à toi. Je ne suis pas dans mon assiette. Je. Bon Dieu, Elliot, je. Tu sais quoi? Va te faire foutre. J'essaye d'égayer ta journée. Avec mes super anecdotes. Mais si ça te déplaît, je peux rester silencieux. Vraiment? Ça va être un heureux accident? Pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. J'ai parlé trop vite. Je vaux mieux que ça. Et puis. Ce que tu as dit m'aide. Je me suis toujours demandé si les gens pensaient que je voulais juste faire mon intéressant. Mais je me disais que non. J'aurais dû te demander ce que tu as fait ce week-end. Très bonne question. J'ai fait quoi ce week-end Mais au lieu de ça, je parle d'autre chose. Je vais te dire un truc. En toute sincérité. Puisqu'on a décidé d'être franc. Je n'ai couché que deux fois dans ma vie. D'accord, une fois et demie. Mais la première fois, c'était avec une prostituée de luxe, une courtisane. Je l'ai repérée au Plaza. Enfin, elle m'a repérée. Elle me draguait. Je sais ce que j'ai fait ce week-end. J'ai répété ma demande. J'ai rendez-vous avec le vice-préside du département technologique. Je n'avais jamais pénétré personne. Juste une branlette. Non. J'ai déjà eu ce rendez-vous. C'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end On l'avait enlevé et on l'avait obligé. J'ai pensé à sa famille tout le long. Merci de me laisser me confier à toi. N'en parle à personne. D'accord Ce n'est pas facile de s'ouvrir. À quelqu'un comme il l'a fait. C'est sûrement pour ça que je te parle. Pourquoi mon compte est verrouillé Assistance Ecorp. Je n'ai plus accès à mon compte. Vous pouvez réinitialiser mon mot de passe. Votre numéro d'employé 072391. Patientez. Mon email professionnel me demande un mot de passe. Quelqu'un s'est connecté trop de fois. À mon nom. Ou Ecorp m'interdit l'accès. Ils savent pour les expéditions. Je dois aller voir le serveur concerné. Samar. Je n'ai plus d'accès. Je peux vérifier un truc. Sur ton ordinateur Oui. Un instant. Tu ne devrais pas. C'est pour ça. Que j'ai un mauvais pressentiment. C'est pour ça. Que cette journée semble louche. Échec de mise à jour. Non, ce n'est pas possible. Le tableau de bord déconne peut-être. Je devrais vérifier le registre. Merde. Ce matin, à 6h07, Dark Army a tenté de lancer l'étape 2. Mon patch les a arrêtés. Mais ça ne change rien au fait. Qu'ils vont faire exploser un immeuble aujourd'hui. Bobby des ressources humaines débarque. Avec la sécurité. Je me demande qui il cherche. Monsieur Alderson, merci d'avoir patienté. Je me suis renseigné. Votre compte n'est pas accessible. Pour le moment. Autre chose Samar a raison. Quelqu'un va se faire virer. Moi Putain Je ne peux pas partir sans avoir accédé à un ordinateur. Et déterminer comment ils vont contourner mon patch. Samar, il faut faire diversion. Quoi Aide-moi à le déterminer. Ne me quitte pas. Reste concentré. J'ai une question. Nous cherchons Elliot Alderson. Où est-il Au onzième étage. Ils ont les meilleurs chiottes. Il aime chier à cette furie-ci. Un peu de sérieux. Nous avons déjà parlé de votre attitude. Je suis sérieux. Il en avait vraiment envie. Il était là. Il faut qu'on trouve Elliot Alderson. C'est bien que vous soyez là. Bonne nouvelle pour votre proposition. Les documents seront numérisés. Et on commence par le sud-ouest. Je vous cherchais vendredi. Mais vous n'étiez pas là. Je voulais vous féliciter en personne. Avant. Tu as entendu comme moi? Je n'étais pas là vendredi. J'étais où Quand mon programme s'est arrêté Pourquoi je ne m'en souviens pas Monsieur Robot. Monsieur quoi On est quel jour Si vous demandez ça un lundi. La semaine a été longue. Ça va Janet, je dois y aller. Il y a une urgence informatique au 29e. La soirée est... La dernière chose dont je me souviens. Il y a quatre jours. Monsieur Robot a pris le contrôle. Aussi longtemps. Ne lève pas les yeux. Caméra de sécurité. C'est vrai. Darlene. Je m'en souviens. Elle devait me suivre. Le suivre. Tu vois ce que je veux dire. Elle a dû voir Monsieur. Robot. Darlene. Je t'entends à peine. C'est la folie en bas. Tu as disparu ce week-end. Tu as laissé flipper seul. Je l'ai confié à ton proprio. Écoute-moi. Tu m'as suivi? Tu l'as vu? D'accord. Descends. Ils vont me virer. Je ne peux pas venir. Je regarde dans les escaliers. Elliot? Je vais le chercher. Je sais juste que ça fait six semaines. Et je n'ai passé aucun week-end. Avec mon fils. J'ai échangé la voiture. Je prends le métro. Et alors Je vais le chercher à l'école. Je n'ai plus d'accès. Je ne suis pas d'accord. Il m'adore. Monsieur Tu vas vraiment me ressortir ça Je lui ai dit que je le détestais. Une seule fois. Je vais attirer l'attention. Je dois garder mon calme. Respire profondément. Reste cool. Ne panique pas. Prends tout ton temps. Disparais. Elle a l'air blasée, brisée. Balance ton regard vide. D'employés de bureau. Ils font comme ça, n'est-ce pas? Ils regardent le monde s'effondrer. Sous leurs yeux. Pour eux, c'est normal. C'est tout ce qu'ils savent. Je devrais peut-être suivre leur exemple. J'aimerais pouvoir me voir. À travers tes yeux. Ne voudrais-tu pas te voir à travers les miens, examinant notre code, ligne après ligne, essayant de trouver la cause de notre erreur d'exécution? Qu'est-ce que je fais? J'attire quand même l'attention. Je vais me faire repérer et ce sera très pénible à regarder. Ça ne va pas marcher. Il faut que je trouve un open space, une prise RJ45. Bon sang. C'est le début de la semaine. La foule du lundi matin. Toutes les salles sont prises. Et tous les bureaux sont occupés. Il faut que je fasse partir. Quelqu'un de son bureau. Là. Elle est parfaite. Henri du département informatique. Bonjour. Nous avons détecté. Un appareil de connexion à distance. Depuis chez vous à votre bureau. Ce n'est pas possible. Ne vous en faites pas. Je vais vérifier votre ordinateur et faire une évaluation pour m'assurer que vous n'avez aucun logiciel de partage installé. Je vais devoir vous contredire. J'ai renforcé l'installation qui surpasse la configuration standard. Cela inclut un pare-feu haute et une liste blanche qui bloque les applications non autorisées. J'ai mal choisi ma cible. Mais je pense connaître le coupable. Fred utilise GoToMyPC tout le temps. Je vais faire les présentations. Fred, tu as encore fait des siennes. Henri de l'informatique. Sérieusement, vous devez vérifier maintenant. Je viens d'arriver. J'en ai pour 15 minutes. Je suis en retard. Je dois respecter les délais. Que me donnent mes supérieurs. Je ne suis pas là pour discuter. Je vais dans la salle de repos. Les données de l'ordinateur. Utilisées par Dark Army. La NASA prouve l'existence de l'eau. Sur Mars. Répertoire E-Corp USA. Ils utilisent le compte de Frank Bowman. Il fait partie de l'équipe. Chargé de l'architecture logicielle. C'est donc ça. Ils vont créer leur propre micro-logiciel. Et contourner mon patch. S'il y arrive, le centre de récupération va exploser. Pour les empêcher, je dois récupérer les modules de sécurité. Les HSM. Ils sont au 23e étage. Bonjour. Ça va? Une seconde. Je termine un email. Je crois. J'ai presque fini. Bien. Pardon, c'était un mémo important. On peut commencer. Vous vous trompez de salle. Qui êtes-vous Sean, chargé des ventes. Sean. Bien sûr. Dave Kennedy. J'ai travaillé avec Craig sur les push Q4. J'avais les cheveux plus longs. Les délais sont très serrés. On n'a pas le temps. Vous n'êtes pas au bon endroit. Il doit y avoir un malentendu soit de votre côté, soit du mien. On est dans quelle salle 44, 12 C. 44, 12 C. C'est bien ma salle. Non. Je vérifie dans mon agenda. Il y a des problèmes de réseau. Et voilà. C'est vrai. C'est très gênant. Je ne suis pas censé être en 44, 12 C. Je suis à l'étage du dessous. En 43, 12C. J'aurais dû m'en douter. On a toujours des donuts au chocolat. On a déjà perdu assez de temps. Comme ça. On doit s'y mettre. Vous savez, Sean. Parfois, je suis comme vous. Je suis très stressé. À cause des délais. On ressent toute cette pression. Parce qu'il faut que ce soit fait. Et on n'arrête pas de faire face. À tous ces imprévus. Quand on se retrouve dans l'œil du cyclone, il faut respirer un grand coup. Relâcher la pression. Et le faire. Monsieur. Alderson. Monsieur. Alderson. Arrêtez-vous. Monsieur. Alderson. Arrêtez. Arrêtez. Merde. Je vais à l'entrée. La sécurité va me faire sortir. Qu'est-ce que je fais Tu ferais quoi C'est vrai. Tu ne réponds jamais. C'est pour ça que j'ai créé Monsieur. Robot. Pour qu'il m'aide à m'en sortir. Au moins, il me répond. Si Monsieur. Robot était là, que ferait-il Il te dirait d'arrêter de parler. À ton ami imaginaire. Tu n'es pas vraiment lui. Arrête d'être aussi tatillon. S'il était là, il te dirait ce qu'il t'a dit. Quand tu devais arrêter de voir Vera. C'est perdu d'avance. Accepte la réalité. Le centre va exploser. Et tu ne peux rien faire. Je vais détruire les HSM. Et l'étape 2 ne pourra pas être mise en œuvre. Comment tu vas t'y prendre Tu vas te faire virer. Et surtout, vas-tu atteindre les HSM avant eux Il suffit que j'aille au reste des chaussées. Une fois en bas, je trouverai un moyen. Et le service de sécurité? Je collerai quelqu'un. Tu as plus de chance d'y arriver. Lors d'un concert de Yoyoma, Ils te cherchent tous. Je connais les lieux. Même si tu y arrives, Bobby et ses pieds nickelés te cherchent. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Pendant que tu perdras ton temps. À prouver que tu as raison, le centre va exploser. Et les gens qui sont dedans vont mourir. Il a raison. Je devrais me préoccuper des gens et pas des HSM. Mais ils n'existent pas. Ce n'était que mon imagination. On ne s'est pas vu depuis des mois. On se bat contre l'autre. Chacun de son côté. Mais au moins, je sais quoi faire. Elliot Alderson, nous avons reçu pour ordre de vous escorter dehors. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Montrez-moi à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Montrez-moi à quoi ça ressemble. Centre de récupération. Que puis-je pour vous Il va y avoir une montée d'hydrogène dans votre centre. Je vous entends mal. Évacuez l'immeuble tout de suite. Une étincelle suffira à faire exploser. Tout le bâtiment. Envoyez quelqu'un contrôler. Les onduleurs. Nous utilisons e-shipping. Pour nos expéditions. Voulez-vous leur parler Il y a une bombe dans l'immeuble. Fait-elle évacuer Espérons qu'ils aient le temps d'évacuer. Il faut que je trouve un moyen. Elliot, aide-moi à retourner à l'intérieur. J'ai un truc à te dire. Je dois aller au 23e étage. On doit trouver. Je travaille avec le FBI. Après Cisco, le FBI m'a interrogé. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils avaient tout sur un tableau. Nous, Angela, Trenton, Mobley, tous. Ils nous surveillaient depuis des mois. Ils savaient tout. Ils pensent que Tyrell est au centre de tout. Une minute. Redis-moi ça. Ça dure depuis Cisco Tu travaillais avec eux Le FBI pourquoi tu n'as rien dit? J'ai passé un marché pour nous. Ils veulent juste Tyrell. Quoi? Quel marché? C'est pour ça que tu m'as piraté? Pour eux? Qu'est-ce qui se passe? Tu portes un micro? Non. Ils ne savent même pas que je suis là. Elliot, je te dis la vérité. La vérité? La vérité? Tu travailles avec le FBI dans mon dos. Tu m'as espionné. Suis-je responsable? J'aurais dû lui dire. Que monsieur. Robot me manque? Une partie de moi a laissé. Tout ça arrivé? L'autre soir, je t'ai suivi. Comme tu me l'as demandé. Il est sorti de l'appartement. Vers deux heures et il est allé voir Angela. Elle savait que c'était lui. Il travaille ensemble avec. tyrell C'est ça. Mon erreur d'exécution. Je l'ai vue, elle. Et lui. J'étais dans une pièce. Ils étaient ensemble. Angela est derrière tout ça. Je dois l'arrêter. Angela t'a trahi. Toi aussi. Tu ne m'as rien dit. Tu m'as dupé pendant tout ce temps. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Montrez-moi à quoi ça ressemble. Dans 3, 2. Nous sommes en direct de l'immeuble ECORP. En direct dans 5, 4, 3. Je suis devant le quartier général de Corp. Et même si la manifestation n'a rien d'inhabituel, voir une telle foule en colère reste exceptionnel. La tension monte. La police de New York prend la situation très au sérieux. Et va envoyer d'autres unités pour contrôler la foule. Mais pourquoi aujourd'hui Avec un taux de chômage de 26%. Les raisons ne manquent pas. Mais les manifestants offrent des réponses diverses. Quant à leur motivation, ils s'opposent à la nouvelle monnaie. Comme au capitalisme en général. Un homme m'a même dit qu'il manifestait contre le vote de l'ONU. Qu'il pensait lié à Ecorp. Calmez-vous. Calmez-vous. Que tout le monde se calme. Que tout. Venez. Scanne ton badge. Scanne ton badge. Tout de suite. Alors que le vote approche. Personne ne sait. Si la résolution va être validée. Les cinq membres, la Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, doivent être unanimes. Concernant la mesure. À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Fermez toutes les portes et abritez-vous. Restez éloignés des ascenseurs. Et des escaliers jusqu'à nouvel ordre. Ici Angela. Blankenship. Mentor. Dirige-toi. Vers les ascenseurs de ton étage. Un paquet t'attend à l'accueil. Avec ton nom dessus. Il se passe quelque chose. Je ne peux pas sortir de mon bureau. C'est notre diversion. Comment ça, votre diversion Vas-y. On a très peu de temps. À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Qu'est-ce qui se passe On est dans l'impasse. Il faut qu'Eliott mette en œuvre les mesures de précaution. Eliott quelle mesure de précaution? Il doit se connecter à un HSM. Et faire une sauvegarde. Une fois que ce sera fait, ce sera bon. Allez! Vas-y! J'ai le paquet. Bien! Donnez-le à Elliott. Il y a tout ce dont il a besoin. Il se fera passer pour un contrôleur. De l'équipe basée à Détroit. Tout ce qu'il doit savoir est. Dans le document contenu à l'intérieur, il va le faire. Appelle quand ce sera fait. À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Fermez toutes les portes et abritez-vous. Restez éloignés des ascenseurs. Et des escaliers jusqu'à nouvel ordre. Que faites-vous là Vous ne devez pas prendre l'ascenseur. J'essaye d'aller dans mon bureau au 23e. Il y a une salle sécurisée. Au 23e sans fenêtre. Je vous y emmène. Merci. Obtiens un document S 2015-511e. Conseil de sécurité. Le vote commence. Autorisant l'annexion du Congo. Par la Chine. Je vais autoriser les membres. Qui le souhaitent à prononcer un discours. Murphy ici. Je suis dans l'ascenseur. 4. Il n'y a plus d'électricité. Je suis coincé entre le 26e et le 25e. Ne vous en faites pas. Ils vont régler le problème. Ça ira. Il y a quoi là-dedans Un truc à manger, j'espère. On ne va pas sortir tout de suite. Des disques durs. Ce n'est pas très bon pour la santé. Laissez-moi vous aider. Ça va. Qu'est-ce que c'est c'est à mon supérieur. Il est sorti d'une réunion. Et a oublié son badge dans la salle. Je vais lui rapporter. Votre supérieur a un accès privilégié. Et pas vous Vous allez devoir me suivre. À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Fermez toutes les portes et abritez-vous. Restez éloignés des ascenseurs. Et des escaliers jusqu'à nouvel ordre. Je dois vraiment aller dans mon bureau. Il est juste là. Pas tant qu'on n'aura pas résolu ça. Par là. Fais-moi sortir ça. Ici la police. N'allez pas plus loin. Où est la clé USB À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Fermez toutes les portes et abritez-vous. Restez éloignés des ascenseurs et des escaliers jusqu'à nouvel ordre. Allez. Il doit bien y en avoir un. Putain, vous m'avez foutu la trouille. Pardon. Vous avez vu ce qui se passe C'est fou. Je sais. Ça va Oui, maintenant. Attendez. Comment vous êtes entré Je fais partie de l'équipe de contrôle de Détroit. J'étais en train de contrôler une faille sécuritaire. Sur la requête de signature de code. Connasse! Merde! Bon sang! Arrêtez! C'est un pays libre. Il n'y avait pas 50 États au départ. Pourquoi s'arrêter à 50? C'est pour ça qu'il nous faut un homme d'affaires. Comme Donald Trump comme président. Si la Chine continue sur sa lancée, notre statut de puissance mondiale sera remis en cause. Monsieur. Trump est déterminé, ambitieux. Marlene Spike. Moxie. C'est fait, mais on a un problème. Il y avait une femme dans la salle. Et elle m'a vu. Pourquoi tu y étais et pas Elliot Je ne l'ai pas trouvé. Comment ça Votre diversion marche un peu trop bien. Je n'ai pas pu le trouver. Au milieu de tout ce bordel. Vos hommes m'ont attaqué. Ils ne sont pas tous à nous. Ce n'est pas parce qu'on allume la mèche qu'on contrôle l'explosion. Tu ne devrais pas être à cet étage. Tu voulais que ce soit fait rapidement. C'est fait. Tu connais le nom de la femme. Qui t'a vu Lydia Riley. On s'en charge. Tu as suivi les instructions à la lettre Angela, si tu n'as pas tout fait. Si. C'est bon. Bien. Un livreur t'attend à l'accueil de ton étage. Donne-lui le paquet. Avec tout ce qu'il contient. Irving, vous allez faire évacuer le centre C'est déjà fait. Ça y est, c'est le moment Il faut être forte. C'est comme tu l'as dit. Elle peut tout rétablir. C'est un premier pas en avant. N'oublie pas la cause. Une mesure sans précédent. Des Nations unies. Afin d'adopter la résolution. La République populaire de Chine. A désormais le feu vert. Pour annexer. La République démocratique du Congo. Angela. Tu as quelque chose à me dire À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Fermez toutes les portes et abritez-vous. Restez éloignés des ascenseurs. Et des escaliers jusqu'à nouvel ordre. À tous les employés de Corp. Ceci est une urgence. Veuillez rester à votre étage. Traduction. Jessica Méchoir.